bien, salut tout le monde, c'est Aliotchute les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas proposé de vidéo, donc on s'en excuse les gars, c'est juste à cause de la reprise des cours. Voilà, c'est normal qu'il y ait moins de vidéos pendant les classes. On va attendre les prochaines vacances tranquillement pour vous proposer à nouveau une vidéo par jour. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la Tech Avion. Franchement, la Tech Avion, je pensais pas que ça allait marcher sur Fut16, j'avais commencé à perdre espoir. Mais j'ai vu des vidéos de quelques youtubeurs français, Robert 87000 notamment. Et ça m'a encouragé à commencer cette technique. Et je vous fais cette vidéo pour vous encourager à faire la Tech Avion les gars. Donc je vais vous donner quelques astuces pour gagner le maximum de crédit avec cette technique. Donc tout d'abord il faut faire cette technique avec les joueurs up de préférence, parce que ce sont les joueurs qui marchent le mieux. Là vous voyez que j'ai acheté Griezmann et Aubameyang en version up. Donc les gens des fois ils oublient de... Ils ont la flemme de rechercher le joueur up en personnalisant les recherches et tout ça. Et ils ont tendance à acheter des joueurs up plus cher qu'ils ne valent. Donc avec la Tech Avion ça marche nickel. Là vous voyez que je vais acheter un autre joueur up, il s'agit de Douglas Costa. Douglas Costa up qui marche très très bien franchement. Aubameyang, Griezmann et Douglas Costa, ce sont les joueurs qui marchent le mieux parce qu'ils sont up, c'est logique. Donc voilà, j'ai aussi acheté Ozil, Mesut Ozil, parce qu'il marche très 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 bien en Tech Avion, en version up. Il marche aussi en version non-upgrade, mais en version up ça marche mieux à mon avis. Voilà, je vous conseille de faire cette technique avec le joueur up. Petite autre astuce les gars, achetez plein d'entraîneurs dans votre club. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent cette technique, mais on va le rappeler, achetez plein d'entraîneurs parce que ça vous permet d'économiser des contrats. Donc vous appliquez par exemple à un joueur qui a 7 contrats, seulement 3 contrats plus 28. Et là vous arrivez facilement à 99. Donc c'est plus pratique et ça vous coûte moins cher pour faire cette technique. Là je veux aussi acheter d'autres joueurs, voilà, tous les joueurs qui coûtent au moins 10 000 crédits marchent pour la Tech Avion. C'est connu ça. Mais les joueurs upgrade sont ceux qui marchent le mieux. Il y a aussi Vardy qui marche, là je ne l'ai pas présenté dans cette vidéo. Mais voilà, les joueurs up marchent tous s'ils coûtent au moins 10 000 crédits. J'ai acheté un Otamendi avec 26 de contrat et un style d'homme de l'ombre. D'ailleurs les gars, si vous trouvez un joueur en Tech Avion si vous faites la Tech Avion qui a un changement de poste ou bien un style, vous l'achetez direct les gars. Un style intéressant surtout, parce que ça va vous aider à moins gaspiller des crédits pour faire ces techniques. Surtout les changements de poste, ça sert énormément pour vendre les joueurs plus facilement. D'ailleurs la fréquence de vente de ces joueurs en Tech Avion, elle est d'à peu près 8 joueurs par jour ou 10 si vous remplissez votre liste à 50, ce qui est mon cas. Donc chaque jour je vends à peu près 10 cartes, donc c'est plutôt pas mal. Je gagne si on compte, allez on va faire un peu de maths, si on additionne 5000 x 10 ça fait 50 000 crédits, si j'enlève la taxe ça fait 40 000 crédits, et si j'enlève ce que je perds avec les contrats et les formes, on va arriver à 30 000 crédits minimum. Franchement 30 000 crédits par jour c'est pas mal, surtout que ça vous prend pas trop de temps, il suffit de relister chaque heure. Voilà, il faut relister chaque heure tout simplement, remplir votre liste. Vous investissez à peu près une fois par semaine et vous relistez chaque heure jusqu'à que tout se vende et vous réinvestissez à nouveau. C'est franchement très simple et ça vous permettre d'avoir pas mal de crédits juste avant la TOTS. Donc là vous voyez que j'ai fini mon investissement. Je l'ai fait sur David Silva, Douglas Costa en version up, Ozil, voilà, je vous ai montré tout ça. J'applique des contrats. A noter que le contrat il coûte 300 crédits en ce moment, mais je pense qu'ils vont baisser dans les semaines à venir avec la Saint-Patrick et tout ça. Donc je vous conseille d'acheter le maximum de contrats pendant les happy hours, parce qu'après ils remontent pas mal, ils remontent à 400 crédits. Voilà, et les styles aussi ils coûtent pas cher en ce moment, ça vous aide à faire la Tech Avion plus facilement. Donc à noter que le style finisseur il coûte 200 crédits, marquage 150, donc c'est perfect j'ai envie de dire. Donc voilà, j'achète des styles les gars à 150 crédits, c'est top. D'ailleurs je voulais vous montrer mon classement, je pense que je l'ai fait dans ce clip, classement au niveau des bénéfices de transfert. Je l'ai montré je pense. Donc je suis à 3 300 000 crédits en ce moment, c'est plutôt pas mal j'avoue. Il y a quelques semaines j'étais à 2 millions, c'est vrai que j'ai eu à Aitouré dans un pack et ça nous a aidé à augmenter notre bénéfice de transfert, mais quand même il y a la Tech Avion qui nous a aidé.
Là, au niveau de, du listage de, des joueurs, vous ajoutez entre 5000 et 6000 crédits, ça dépend de la taxe. Par exemple, les joueurs qui coûtent plus de 25000 crédits, vous ajoutez 6000 crédits. Pour ceux qui coûtent entre 10 et 25000 crédits, vous ajoutez 5000 crédits. C'est simple, donc voilà, vous faites comme ça et ça va marcher nickel, je vous l'assure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres vidéos d'achat-revente. L'Euro to Modric Totti arrive bientôt, c'était Aliotune. Prenez soin de vous, bye tout le monde.